Hey, bonjour les amis et bienvenue dans ce 7e épisode déjà de Tropico 4, le Let's Play. Donc dans ce 7e épisode, je vais faire le coin touriste, le coin tourisme. Donc là on a un joli lever de soleil ou coucher de soleil, donc play, c'est parti. On avait dans le 6e épisode construit nos quais là, enfin nos docks et nos quais ici, et bien sûr il y a encore les bidonvilles. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire des baraques ici. Mais normalement, faut pas en faire ici. Parce que les gens, ils aiment pas l'odeur de la mer, tout ça, machin. L'odeur du poisson pas frais. C'est pas trop leur truc. Donc je vais quand même en faire. Parce qu'ils commencent à me les briser, hein, les pêcheurs, là. Et je vais faire un resto, voilà, comme ça ils seront contents. Bien sûr, comme d'habitude, le marché. Voilà. Ah, vous êtes contents, les pêcheurs? Alors, on va répartir ce qu'il faut pour faire le coin touriste. Alors, ici, je vais faire quelques attractions. Là, je vais faire les centres balnéaires et tout. Et là, je vais faire tout ce qui est ville, hôtel et tout ici. Donc, bien entendu, ça. On a dit qu'on le mettait en musée. Voilà, on va recruter quelqu'un. Alors, tourisme. Donc on peut pas avoir toutes les attractions, les hôtels, tout ça, tant qu'on n'a pas acheté l'aéroport ou le port touristique. Donc le port touristique, j'en ai un là. Et voilà. Donc c'est la première fois que je fais un coin touriste ici. Hein. Parce qu'en général le tourisme, c'est pas trop le truc que je mets en avant entre Bico. Donc on va pas faire une construction rapide tout de suite, parce que si on fait une construction rapide, ils seront en place, et du coup les touristes vont arriver et va rien avoir. Donc du coup je vais mettre directement je vais faire les attractions avant. Donc attractions, pourquoi je ne peux pas placer des logements? Bien sûr, bah oui, c'est logique. Je vais faire... Comment je vais faire ça? Alors, déjà on va relier la route ici, comme ça mes gens pourront aller travailler. Hop. Ici, voilà. Et là par là, je vais faire des bungalows. Je vais en faire quelques-uns là. Juste là, je vais faire quelques villas pour les gens un petit peu plus riches, genre là. Pourquoi ce maniement? Ah oui, il faut étendre le réseau. Donc hop. Ce réseau là, hein, petit réseau électrique. Sans ça, on peut rien faire du tout. Vous voyez bien, hein. On peut rien faire. Enfin, on peut faire des trucs, mais la qualité sera amoindrie, quoi. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, je vais les faire ici. Ils doivent être placés sur une plage. Ah oui, bah, ils sont chiants avec ça. Je vais faire... Allez, je vais faire ça. Voilà, on va être content comme ça. Tourisme, villa. C'est bon? Là, c'est pas une plage? C'est pas une plage, là? Elle est placée près de la mer, maintenant, d'accord. Là,
Voilà. Ça. 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 Casse-moi un petit peu. Voilà. Voilà. Ça, c'est bon. Je vais faire un hôtel derrière, juste là. J'ai essayé de faire un grand hôtel. Non, hôtel gratte-ciel, voilà, plus un hôtel de luxe. Les hôtels gratte-ciel, j'en ferai plus tard au centre. Au centre du tourisme. Donc on en fait deux comme ça, c'est très bien. Voilà. Attraction, une office du tourisme. Une office, j'ai dit non, je crois que j'ai dit ça. Plus une office. Office du tourisme. Donc, pas le guide chronotypé, mais l'autre. C'est plus luxueux, on va dire. Hop, attraction. Alors, promenade en ballon, ça c'est bien. On va la mettre là. Là. Hop, voilà. Ça donnait un peu de vie en plus à. Belle tropico. Alors, site balnéaire, on va en faire un. Ici. Et on va en faire un autre juste à côté. Là, voilà. Une enclave ethnique, ça c'est bien. Donc, c'est une enclave ethnique, hein, y a rien de. Voilà. Donc, faut toujours qu'il y ait des employés aussi là-dedans. Ensuite, un petit bar à cocktail vers tout ce qui est bungalow, tout ça. Il y a juste un là où là, les voisins qui s'énervent. Voilà, on recrute, on recrute. Ici, c'est bon. Présidente, le programme de recrutement rejoint. Bah oui, c'est bien. Je vais faire pareil, un garage par là. Parce que là, on commence à avoir des bidonvilles. Et les bidonvilles, au côté du tourisme, enfin, du côté du tourisme, pour les touristes, c'est pas top. C'est pas du tout top, du tout. Donc voilà, ça, ça a été construit. Et là aussi, non. Bon, on va le faire en construction rapide, comme ça. Voilà, beauté et paysage, on va mettre un petit mausolée. Oh non, ça on va mettre en centre-ville là-bas. Donc infrastructure, hop, allez, c'est parti. Juste ça déjà, ça devrait être cool. On va faire des. Bon, on va faire le gratte-ciel qu'on a dit qu'on ferait tout à l'heure. Voilà. Donc ça aussi c'est cool, vous verrez. Allez, pour ceux qui sont rapides là-dessus. C'est une bonne air, c'est bon. Puis une boutique de souvenirs juste à côté. Hein. J'en ferai une autre. Bon. J'en ferai une par là-bas. Voilà. Donc les touristes pour le moment. Pas grand monde, hein. Même personne, je dirais. J'espère qu'il va y avoir des gens quand même. C'est bien. Hop, voilà. Ah, je vais faire une balade en dirigeable. Promenade. Voilà. Et je vais mettre. Je crois que c'est ça. Donc ça fait comme si. Vous savez, quand le Presidente il va un peu de partout. Il va dans les industries, tout ça, ça augmente la qualité. Bah ça, c'est comme si le président était là, regardez. Un petit soleil sur le. Un bidonville, magnifique. On va mettre des habitations ici. Ça sera bien. Puis ça va habiller un peu le tout. Hop. Voilà.
On mène des cabarets, des trucs comme ça. Les gens les aiment bien, les touristes aussi. Bureau des douanes, je sais même pas si j'en ai mis un. Je vais en mettre un. Je sais même pas s'il va y avoir des touristes en fait. Oui, pour le moment il n'y a personne. C'est un peu bête parce que c'est cool le tourisme. Qu'il y en a. Donc les bidonvilles sont encore à supprimer. Donc là c'est toujours plein. Regardez-moi ce monde. Un petit PayPal quand même. Hein. Bien sûr, les gens crèvent de faim. Essayer de faire un marché par là si je peux. Il est où mon marché que j'avais mis là, à la base? Allez là. Il n'y a rien du tout. Normalement, les marchandises, elles se mettent là. Là, il n'y a rien. On verra bien. Ah, il y avait une mission, elle est disparue. Réseau électrique, ah, allez, c'est parti. Tous les épisodes, je fais au moins une ligne dans le réseau électrique. Et mince. C'est bien, notre petite ville, elle avance quand même. Ça avance pas mal tout ça. Donc voilà. Donc c'était surtout pour vous montrer un peu qu'est-ce qu'on pouvait faire sur Tropico. Vraiment, il n'y a pas de touristes, hein, c'est... C'est la dèche. Je sais pas comment je peux en faire venir à part. Je sais même pas comment on peut en faire venir en fait. Tant pis. Que voulez-vous? Je suis occupé à régner. J'aurais bien aimé vous montrer quand même le tourisme, mais bon. On dirait que ça ne veut pas. Attraction de luxe, mettez un grand roue. Ah, je vais mettre une marina, j'en ai jamais mis. Et j'ai jamais pu parce qu'il n'y avait pas assez de place. Et là, il y a la place quoi. Je vais mettre là dans le coin riche. Et à mettre un bateau de luxe. Pas de bois de luxe, ici. Voilà. Magnifique. Hop, la marina, c'est cool ça. Ah bon, ça aurait été mieux avec des touristes, mais vraiment, mais c'est dommage. Ah, je pensais qu'il allait y avoir des touristes, des touristes. Parce qu'au début, quand j'avais fait ma partie, il y avait les options à prendre. Et j'en ai mis quand même un petit peu des touristes. Mais je ne comprends pas pourquoi il y en a pas. Je vais mettre un aéroport comme ça. Bon, c'est sûr. Parce qu'à l'aéroport, ils viennent les gens. Avec l'aéroport. Hop. Voilà. Ça, tac, hop. Il n'y a pas des trucs à rajouter là, non. Non plus. Bon ben voilà. Je vais bientôt vous laisser les amis. On se dira dans l'épisode 8 déjà. Hop. Donc voilà. Donc pour le moment sur la chaîne il n'y a pas grand monde. Personne même. Mais je fais ça pour mon propre plaisir pour le moment,
Et ça gueule hein, dans la roue là. Pourtant il y a personne. Et donc voilà, je disais, je fais ça pour mon propre plaisir. Et si ça peut procurer le plaisir de quelqu'un un jour, ou de plusieurs quelqu'un, et ben je serai très content parce que voilà. Parce que j'aime bien montrer les jeux auxquels je joue, j'aime bien expliquer un petit peu comment jouer, j'aime bien expliquer comment je joue. Et donc voilà quoi. Ensuite les gens qui n'aiment pas, ben c'est pas grave. Mais moi j'aime bien, et voilà, j'aime bien faire partager un petit peu ce que j'aime. Donc voilà, donc si jamais vous aimez cette vidéo ou cette petite série, eh ben je vous conseille de la partager. Si c'est possible, et puis voilà quoi. Donc voilà, on va construire un petit restaurant et puis on va se laisser là-dessus les amis. Donc voilà, donc j'espère quand même qu'elle vous plaît si vous la suivez et puis. Puis n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et à la partager si vous avez aimé, donc voilà. Ça fait toujours plaisir, puis ça apporte du monde, ça fait découvrir s'il y a des gens qui sont aptes à pouvoir aimer. Donc voilà, donc je regarde un peu, tourisme. Ah ben voilà, il y a du touriste, c'est bon. Le tourisme arrive enfin. Donc l'épisode 8, il y aura pas mal de touristes. Donc voilà, donc je vous laisse les amis. Et merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour l'épisode 8. Allez, ciao les amis, c'était Aki. Bye.